Coucou, c'est Vini du comptoir de Vini. Alors il y a pas mal de choses qui sont en train de se précipiter, de s'accélérer. Euh, ça part dans tous les sens, que ce soit à la télé, que ce soit aux informations, que ce soit dans, vos, dans nos vies, dans nos décisions et leurs décisions également au gouvernement. Donc j'ai posé une question par rapport, comme je vous avez dit, je regarderai vis-à-vis de leur décision sur la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au mois de juin. Donc, il faut savoir que le 18, euh, ils déposent le dossier, euh, je sais plus où, le 18 janvier, je ne me rappelle plus le nom, et le 25, c'est le Sénat qui doit prendre la décision. Donc, les deux cartes que j'ai tirées par rapport à l'état d'urgence, donc la prolongation jusqu'au mois de juin. Il euh, y a quelque chose qui fait que non, ça n'ira pas jusqu'au mois de juin. J'ai peut-être là, on a une prolongation jusqu'à de mémoire, c'est au mois de février de mémoire, hein, je me rappelle plus exactement, mais il y a quelque chose. Ça, ça n'ira pas jusqu'au mois de juin. Voilà, il y a avril à tout casser. Il y a quelque chose jusqu'au mois d'avril et ça ne prendra pas, pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne prendra pas. Ils vont faire un état d'urgence, une prolongation, mais pas comme eux, ils entendent, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Il n'y a pas ça. Donc, déjà, il y a, il y a ce côté-là que je voulais regarder. Ensuite... Euh, j'avais une autre question à poser euh, qui m'a qui, qui énormément perturbée par rapport à la fermeture des cantines dans les écoles. Si ça, ça va être un bordel. Je vous le dis tout de suite, moi, euh, quand j'ai entendu ça à la télé, euh, du moins sur le direct que je mets euh, à la boutique, je me suis dit comment on va faire. Alors déjà, ils me font fermer euh, <laughs> quasiment une heure et demie avant. Hein? Donc l'heure et demie, ben, il faudrait que j'apprenne entre midi et deux. Donc du temps. Donc euh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Alors, par rapport à la fermeture, l'éventualité des fermetures des restaurations scolaires et des cantines dans les écoles, les lycées et ainsi de suite. Le nadir. Donc le temps, le nadir. Et les énergies. Donc les questionnements, évidemment. Et le désert. C'est le serpent qui se mord la queue. Je vous dis tout de suite qu'on est en train de me dire dans la tête. C'est le serpent qui se mord la queue. Euh... <rire> Pardon. <rire> Voilà. J'aimerais des fois que vous soyez dans ma tête pour comprendre ce que j'entends, ce que je vois. La carte des énergies. On me dit regarde, c'est le virus. Là, je regarde. Non, c'est des énergies. Regarde, c'est le virus. Ben bah, ouais. Hein. Ah. <laughs> voilà. Donc désolée, ça gratouille. Voilà. Donc en fait, effectivement, oui, il y a bien une mutation du virus. Elle y est. Attendez. Voilà. C'est fait. Donc elle y est, mais comme l'a expliqué euh, beaucoup de professeurs, il est en déclinaison. Il y a un changement, effectivement, qui s'opère selon, effectivement, les zones géographiques. Donc on n'a pas la même euh, euh, Comment vous expliquer le même air que quand vous êtes dans un pays d'Asie que vous soyez aux Amériques que vous soyez en Inde euh, au pôle nord en Russie en Afrique c'est pas du tout le, le, le même climat cherchez le mot excusez-moi je viens de le, de le virer euh, Christelle c'est c'est pas du tout le, le même climat donc automatiquement le virus va muter le virus va changer le virus va s'adapter et c'est pas très compliqué à comprendre regardez les médicaments plus vous prenez de médicaments, d'antibiotiques, plus les microbes et les virus s'adaptent aux antibiotiques et aux médicaments. C'est comme les poux sur la tête. Regardez, avant, il suffisait de prendre la lotion Marie-Rose. Tchao, tchao les poux, ciao il les lentes. Maintenant, c'est hyper compliqué avec leurs produits chimiques. Il faut tout simplement revenir à l'ancienne méthode. Voilà. Hein C'est-à-dire mettre du vinaigre, coiffer, 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 tout le temps pour enlever les poux. Enfin, voilà. Donc effectivement, il y a une transformation, il y a un changement de euh, du virus. Il y est, mais pas au point de tout cloisonner. Oui, il est va... la manière dont ça ressort. Hein, je vous le dis tout de suite. Il est beaucoup plus facilement euh, transmissible, mais pour autant, il n'est pas plus dangereux. Là, quand même, je me mets en danger à vous dire ça. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que la manière dont c'est sorti, c'est impressionnant. Il y a celle-ci, il y a la femme. C'est marrant. Buzin. Je ne sais pas pourquoi. Elle me parle, elle me dit Buzin. Oh. Oh. Alors, <laughs> les trois cartes. Elle sait qu'elle a fait des conneries. Elle sait que tout va, va, va sortir à un moment donné. Et alors, directement ou indirectement. Alors, est-ce que c'est elle qui va demander aux gens de maintenant, vu qu'elle est placée en statut à l'OMS, elle va demander de, 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 de gentiment dire un petit peu la vérité ou un petit peu fuiter certaines choses pour essayer de, de se racheter par rapport à tout ce qui s'est passé ou pas Voilà. Donc, il y a Agnès Buzyn qui est là et elle va essayer de rattraper un petit peu la, un petit peu la sauce. Euh, J'ai pas de fermeture. Je, je reste sur ce que je vous dis, J'ai pas de fermeture de la restauration scolaire. L'initiation. Les, les, non, non, c'est. Euh... Non, c'est il n'y aura pas. Je ne peux, je peux pas vous l'expliquer, mais ça dit non, il n'y a pas. Ce sais pas marqué pour autant, mais je vous dis, il n'y a pas de fermeture de restauration scolaire. Ensuite, par rapport. Euh... Au couvre-feu ou au, ou au confinement. Comme je vous ai dit, je ressens quand même un confinement euh, très court. Très court. Quelque chose de très court. Alors, est-ce que le très court, c'est le confinement le week-end Est-ce que c'est sur une durée, c'est-à-dire une, deux, trois semaines Voilà, j'ai quelque chose de court. Voilà. Confinement, oui. Durée très courte. Donc, euh, confinement qui n'est pas un confinement. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est un confinement qui n'est pas un confinement. Allez. Les prières, les épreuves, donc ils prendront une décision, la naissance, donc oui, effectivement, ils vont prendre une décision, donc dans ce pseudo-confinement, la clé, et j'ai toujours le mot « buzin » dans la bouche, alors qu'on n'en parle pas d'elle à l'heure actuelle, c est, c est, elle n'est pas du tout à l'heure actuelle dans, dans les médias, il euh, n'y a rien qui, me faut, qui, qui pourrait m'amener à l'avoir en tête, et j'ai « madame buzin ». Qui ressort Pourquoi Madame Buzyn ressort dans ma tête Alors non, c'est pas, on va pas être confiné l'éternité, vous inquiétez pas. Voilà, je vous explique après. Et la science, ça va un petit peu bouger dans le sens. Positif par rapport à ça. Donc, oui, ils vont prendre une décision. Oui, ils vont nous annoncer quelque chose. Soit euh, le couvre-feu à 18h pour la France entière. Ça, je vous... ça c'est pas de la voyance, c'est de la suite logique. Mais, comme je vous dis, j'ai quelque chose de... vraiment de très, 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 très court. Voilà. De vraiment très court. Je viens de le dire, euh, Isabelle, Isa, pour les écoles. Je viens de le dire. Je vais pas revenir dessus. Je vais pas reposer la question alors que je viens de le dire juste avant. Ça a été ma deuxième question. Donc, vous regarderez la vidéo après, du coup. Voilà. Je ne répondrai pas aux questions. Arrêtez de poser des questions. Je ne répondrai pas, vous le savez, vous savez comment je fonctionne. Je ne réponds pas à vos questions. Là, je pose, je vous ai dit, je vous ferai une voyance par rapport à, à certaines choses bien précises. Voilà. Donc, euh, stop. Est-ce que je peux enlever les... les... Voilà. Comme ça, je ne vous vois pas. Je ne vois, je vois pas vos commentaires, du coup. Euh, donc il y, y a toujours Agnès Buzyn qui est là. Donc pour moi, Agnès Buzin va, va dire par écrit. Il y a quelque chose qui va être annoncé par écrit. Euh... Putain, pardon. La femme. La femme qui trahira le gouvernement. Ah, je vous remets parce que là, du coup, Patricia, elle va, euh, elle va bien... Euh elle va réagir, la femme qui trahira le gouvernement et tout sera dévoilé par la suite grâce à elle. Ça fait deux fois, deux fois qu que ça ressort dans le jeu, madame Buzin. Deux fois qu'on qu'on me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va sortir venant d'elle, par elle. Peut-être elle va se dire enfin une vérité et qu'ils ne pourront pas faire machine en arrière ou peut-être inconsciemment elle va faire une bourde. Euh, voilà, c'est voilà, donc, euh, peut-être qu'elle retourne sa veste, j'en sais rien, je vous le mets vraiment tout au conditionnel, mais ça fait déjà deux fois, deux, deux, sur deux jeux différents, qu'elle ressort, et qu'elle ressort bizarrement du côté, maintenant, du peuple, voilà, alors, volonté ou indirecte, j'en sais rien, mais ça, mais ça va péter, mais ça va péter, et je ressors, une dernière, encore une fois, dans le jeu, pour, pour clore le, les cartes que j'ai posées, L'initiation. Alors, pourquoi vous me sortez l'initiation sur celle-ci aussi? Voilà! Ça va être euh, chaud patate pour ceux qui ont envie de mettre en place. Ils vont arriver à mettre ce fameux confinement entre parenthèses, couvre-feu, cours, mais après ça s'arrête. Et je reste sur, sur le printemps. Le printemps, il y a beaucoup de choses qui stoppent le printemps. Tout s'arrête. Voilà. Beaucoup, 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 beaucoup. Énormément. Voilà. Les pleurs en sortant de l'Élysée. <laughs> Sûrement. Voilà. Mais elle devra répondre de toute manière devant la justice. Devant la justice hein. Ben oui, là, mais, mais, mais ça date d'il y a super longtemps, Christelle, euh, que, je, que je dis qu'il y a une femme qui trahira. Ça. Et, et c'est vrai que l'année dernière, rappelez-vous, elle avait commencé l'année dernière à dire des vérités et on lui a demandé d'arrêter de, et elle a changé sa version dès le lendemain. Voilà. Donc je pense, oui, la notion de culpabilité, je pense. Ouais je pense. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, cette dame, euh, elle est quand même médecin et euh, elle, elle était pour aider les enfants. Donc, est-ce que le fait que maintenant ça touche les enfants alors que ça de, ne devait pas toucher les enfants, est-ce que derrière, il n'y a pas une prise de conscience de la part de cette, de cette femme Point d'interrogation. Alors, sauver sa peau, je vais vous dire, oui, c'est normal. C'est logique parce qu'elle a essayé de dire la vérité pendant un temps. C'est pas que je prends sa défense attention parce que je, je, quand, quand on a une valeur et quand on a une opinion, peu importe, on peut avoir ça en face de nous, on tient tête. Normalement, on est censé tenir tête. Voilà. Hop 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 hop. La tentation, le choix. Là, je demande que sur elle. Hein. Pourquoi on, fait, on, on parle d'elle Le Nadir trois jeux trois jeux le nadir au ressort je dis ça je dis rien hein. tous les jeux elle est sortie tous les jeux elle est sortie là vous pouvez que le constater je bats les cartes devant vous pour que vous voyez que c'est pas je, je, je ne cherche pas les cartes hein. tous les jeux elle est sortie. on est sur la fin et <laughs> Bon, là, je ne peux pas mieux faire. On est au cinquième tirage. La mort sort à chaque fois. L'initiation sort à chaque fois. Alors, vous savez quoi Je vais aller chercher ce que ça veut dire la carte de l'initiation sur Internet. Parce que je ne connais pas les, les significations des cartes. Étant donné que je fais, je fais de, de la médiumité et je ne fais pas de la cartomancie. Allez, du coup, alors, euh, carte 34, triade. Allez, entrée. Alors, alors, je vais vous la lire, c'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement. Alors, euh, donc dans l'oracle de la triade, l'initiation porte le numéro 34. Il s'agit de la carte qui succède à celle de la naissance. Après un nouveau départ, la voyante qui est confrontée à cette lame annonce que le temps d'apprendre ou de mettre à profit vos savoirs est venu. Ouh Ah ben moi je suis pas sortie de la merde là. Je <laughs> suis vraiment pas sortie de l'auberge, je vous le dis. Hein, parce que alors, mon savoir, il y en a beaucoup dans la caboche. Donc oh putain. Après, on m'a dit que je vais encore me sortir, que je suis orgueilleuse et que je que suis soi-disant la science infus. Non, pas du tout, je suis désolée. J'ai une grosse culture générale, pardon. Le champ des possibilités est immense avec l'initiation de l'oracle de la Triade puisque la spécialisation dont elle est question est bien manuelle qu'intellectuelle. Il suffit de se pencher sur le dessin de la carte pour le comprendre. Sur le fond orangé qui évoque l'assurance et la maîtrise est dessinée d'une main. Elle est à la fois la main qui permet de travailler au sens physique et celle qui permet à l'esprit de s'exprimer à travers l'écriture. Ah, ben, voilà, voilà, je vous avais dit, regardez, avant de lire le truc, je vous ai dit, il y aura quelque chose, ça sera peut-être un écrit d'Agnès Buzin. <laughs> peut-être un écrit. <laughs> je verrai ce que je vous dis. Mais chut! On continue, on continue. En parlant de la signification principale de la carte, la carte mensive, vont confronter l'initiation de l'oracle de la triade à votre question. Et selon le domaine qui vous préoccupe, la, les voyantes vont formuler une prédiction sur votre avenir. Amour, travail, finance, la consultation de la voyante permet alors de lever le voile sur la raison de la présence de la carte 34 dans votre tirage divinatoire. Voilà ce qu'il faut entendre. Alors, amour, travail, argent. Euh, oh là, on s'en fout. Euh, tica tica tica. Alors euh, ben non j'ai aucune de ces cartes qui sort donc ils disent la 1, la 2 la 35 la 37 et la 49 il n'y en a aucune qui est ressorti avec voilà donc ben voilà je peux pas mieux, mieux vous dire que ça euh, voilà c'est juste magique donc, il euh, faut juste se rappeler que la mort a fait que sortir et que l'initiation à la carte de clôture de chaque tirage a fermé à chaque fois. Voilà. Donc du coup. C'est magique <laughs> Pardon C'est magique, magique. Donc voilà, donc en, en résumé, donc le, la loi d'état d'urgence, la prolongation, oui, sur un court temps, mais pas jusqu'à la date que eux aimeraient réellement. Tout le temps à voir. Euh, les, les cantines fermées, non. Les écoles fermées, non. Euh, confinement entre parenthèses, de nouveau, grosse restriction plutôt qu'un confinement sur un court temps. Euh, Agnès Buzyn va dévoiler quelque chose par les écrits. Euh, peut-être un à culpa ou peut-être sans faire esprit. C'est possible aussi. Voilà. Pour faire le condensé de la voyance. Je vous fais des gros bisous. Évidemment, je partage certaines vidéos sur VK. N'hésitez pas, si vous avez besoin euh, d'avoir une consultation, et pas qu'avec moi. Pardon, il y a aussi Viviane. Donc, je vous rappelle les numéros avec ou sans rendez-vous pour Viviane. Elle est euh, là à l'heure actuelle. Euh, je vais vous dire où est-ce qu'elle se trouve, si elle est en privé ou si elle est en. Allez! Hop là. Alors, Viviane, nous sommes mercredi. Là, elle est sur le, sur le réseau du hôtel. Donc, le numéro, je vais vous le donner parce que... Alors, euh, non, je... il, va, il va falloir vraiment que j'apprenne tous les numéros de téléphone par cœur. Je ne les retiens pas du tout. Alors, pour pouvoir avoir Viviane, pour avoir une consultation avec Viviane. Là. Euh, elle est jusqu'à 16 h Elle est sur l'Audiotel, Vous faites le 08 90 30 15 15 et vous sélectionnez Viviane. Et à partir de 16h30, vous pouvez la joindre pour une consultation privée payable par carte bleue au 01 71 19 23 30 pour un euro la minute. Tout simplement. Faites-lui confiance parce que Viviane est médium. Elle n'est pas que voyante. Elle est également médium et elle peut, si Là-haut, on lui autorise, et si elle a l'autorisation, vous faire passer les messages également des personnes qui sont disparues. Voilà, elle en a beaucoup plus que moi, donc chacune a ses, son domaine de compétences. Donc, je vous invite à découvrir Viviane également. Et n'oubliez pas, je reprends les consultations par téléphone à partir de demain, 10h jusqu'à midi, donc le jeudi et le vendredi, tous les, tous les jeudis, tous les vendredis de 10h à midi au 01 71 19 23 30 avec ou sans rendez-vous. Et pareil, c'est 1 euro la minute. Pour les consultations, si vous voulez venir à la boutique, vous téléphonez euh, au numéro de la boutique, c'est le 04 42 73 64 35. Les consultations se font le lundi et le mardi entre 10h et midi uniquement sur rendez-vous. Voilà. Euh, alors euh, Nadine, stop je voulais faire juste un truc. Je réponds pas à toutes les questions. Les choses vont se décanter au fur et à mesure. C'est ce que je vous ai dit. Il fallait, il faut tendre l'oreille. Au mars, avril, c'est terminé. J'ai beaucoup le mois de mars qui me parle dans la tête. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine voyance. Des bisous.